Coralie n'a pas encore posé sa première question, qu'on a déjà un commentaire avec déjà une question sur la base européenne à Nîmes. On va en parler dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, Coralie a prévu ça dans l'interview. Coralie, c'est à vous, vous avez la parole. Votre première question à Franck Proust. Exactement, et c'est jour de fête, j'ai au moins 10 questions. Donc c'est génial. La première question, c'est est-ce que vous allez faire plaisir aux habitants de Nîmes Métropole ? J'essaye de leur faire plaisir. Ça dépend de ce que vous me demandez. Comment je pourrais leur faire plaisir ? Comment on fait plaisir à des administrés ? En baissant les taxes, bien évidemment, dont notamment la TOM, celle sur les déchets. Puisqu'aujourd'hui, vos charges ont diminué, vous ne payez plus l'emprunt sur l'incinérateur. Non. Si j'annonce une baisse de la TOM à l'automne prochain, c'est certainement pas par rapport à la fin de l'emprunt sur l'incinérateur. Si on baisse la TOM, c'est le résultat d'une politique que nous avons menée depuis 2020 avec Bernard Angelras sur le changement de la collecte, sur une amélioration du tri, sur la diminution des déchets et tout ce qu'on mène avec notamment la distribution sur l'agglo et qui arrive sur la ville de Nîmes des lombricomposteurs et composteurs. Mais ça, c'est quelle proportion ? Parce que l'emprunt, c'est quand même une sacrée proportion. Nous avons diminué le tri, nous avons amélioré le tri de 20%, nous avons diminué les déchets de 15% et nous avons, au travers de l'appel d'offres du CITOM, eu des tarifs qui nous permettent aujourd'hui de dégager un excédent qui va nous permettre d'aller vers de l'investissement. On vient la semaine dernière de poser la première pierre de la nouvelle déchetterie de Saint-Gilles. On va rénover la déchetterie de Saint-Césaire et de la Grande Motte. On va implanter d'autres déchetteries parce que c'est un service public qui est très apprécié par nos concitoyens. Et ensuite, comme il y a de l'excédent, grâce au comportement des gens, eh bien, on va faire porter les fruits de ce nouveau comportement en baissant la taxe des ordures ménagères. Très bien, vous allez baisser, d'accord. Alors c'est plutôt malin, parce que vous dites que c'est par rapport à votre politique et que ce n'est pas du tout par rapport à l'emprunt de l'incinérateur. C'est grâce quand même. La tonne incinérée passe de 90 à 70 euros, c'est ça ? Oui, non mais attendez. Non mais je vous donnerai les chiffres précis, vous verrez. C'est par le comportement citoyen aussi, des Nîmois et des gens de l'agglomération. Et c'est pour ça que si on baisse la TOM, c'est grâce à eux. Après, il y a effectivement un effet prix sur l'appel d'offres du CITOM, mais la première raison de la baisse de la TOM, c'est parce qu'on trie mieux et qu'on consomme moins. Juste combien ? Vous allez la baisser de combien ? Et quand ça, exactement ? Je vous dirai, pour l'instant, on est en train de faire marcher un peu, on fait réfléchir nos services, parce qu'il faut qu'on essaye de programmer les investissements jusqu'à horizon 2026, et c'est en fonction du programme des investissements, il me restera une marge qui va être l'équivalent de la baisse de la TOM. D'accord. Catherine, vous vouliez réagir très rapidement pour être honnête, il faut aussi dire quand même que cette évolution, elle est due pour l'essentiel à la présence de l'incinérateur qui a été construit sous la municipalité Clary et contre lequel la droite s'est battue. Je me souviens des propos, de M. Tibirino, par exemple, qui disait « Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai contre l'incinérateur, vous organisez des manifestations. » C'était contre l'incinérateur, madame. C'était contre l'implantation. Regardez la presse. Je vieillis, mais j'ai encore bonne mémoire. Et lorsque vous avez été élu, vous êtes félicité de l'incinérateur. Voilà. Vous êtes félicité de l'incinérateur. Catherine, on va avancer, si vous voulez bien. On va parler maintenant de la collecte dans les Halles de Nîmes. Exactement, parce que vous ne faites plus, c'est la loi qui l'oblige pour les Halles de Nîmes. Après plusieurs mois d'errance, vous les avez aidés récemment à trouver une solution. Vous voulez vous demander si vous étiez leur grand sauveur ou le pompier pyromane. J'ai vu votre article, mais vous savez, Coralie, vous êtes toujours en forme. Quand je dis merci, Coralie, quand elle est quant au conseil communautaire, je dis merci. Elle dit ça y est, il s'en va, il dit adieu. Quand je vais au hall, elle me dit tiens, il est en campagne. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous répondre. Il n'y a pas que moi qui le dis. C'est un problème privé. C'est-à-dire, c'est les étaliers qui essayaient de trouver une solution la moins onéreuse possible et la plus efficace. J'ai un prestataire qui s'appelle Suez. Il y a deux entités, la Socri et les étaliers. J'ai essayé de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver une solution. Je n'étais qu'un facilitateur. J'ai fait le travail du président de Nîmes Métropole que tout le monde aurait pu faire. Allez, on parle des journées méditerranéennes des saveurs ? Exactement. Alors, vous n'avez pas été tendre avec le département et la région. Est-ce que vous ne prenez quand même pas le risque, à force de critiques, que les collectivités se désengagent de ce salon ?
qui est quand même réputé. Il y a plus de 30 000 visiteurs qui y vont. Le faire juste la veille de la présentation de ce salon, est-ce que c'était pas maladroit? Mais je ne l'ai pas fait volontairement. C'est pour répondre à une question. Oh, soyez exhaustif. D'un élu de votre groupe. Vous ne vous attendiez pas du tout. Mais il l'avait dit chaque année. Et vous pouvez interroger la présidente Magali Somad, qui avait demandé la même chose à la région et au département. Qu'est-ce que je dis? Je dis aujourd'hui que les GMS, c'est dans l'Occitanie, une des principales manifestations sur la filière agricole. C'est vrai. Le département fait beaucoup pour la filière agricole. La région fait beaucoup. Je dis simplement que par rapport à cette manifestation, on n'est pas à la hauteur de l'événement. Quand l'agglomération met 130 000 ou 140 000 euros et que le département, comme la région, met 30 000, je vais regarder, par exemple, ce qu'ils vont mettre à Montpellier. Je vais regarder dans les autres manifestations. Je dis qu'on n'est pas à la hauteur de l'événement. Vous avez parlé de la fête de l'oignon doux, c'est ça? Mais je pourrais prendre d'autres. Il y a un salon là à Montpellier, je vais regarder. Je dis simplement, qu'est-ce qu'avait demandé Magali Somad? Elle avait dit, comme c'est une biennale, eh bien écoutez, vous avez qu'à nous donner deux fois la subvention. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que du coup, vous avez fait des économies, parce que la subvention, d'ailleurs, c'est tous les ans, vous la versez tous les deux ans. Mais parce que les finances de l'agglo mettent 140 000 euros. Le problème, c'est que sur les GMS, je ne présente pas que des produits de l'agglomération. Il y a des produits du Gard, il y a des produits de l'Occitanie. De France, et puis je trouve que ce qui est très intéressant, c'est les journées pédagogiques le vendredi. 1200 élèves de primaire, 250 collégiens. Donc je trouve que 30 000 euros pour la région, comme pour le département, c'est faible eu égard à la taille et à l'image de cette manifestation. Mais ce n'est pas une critique. C'est un constat. Allez, on passe. Le département, comme Carole Delga, font beaucoup pour la filière agricole. Exactement. Allez, on passe à la grande séquence sur les transports. On va d'abord parler de l'aéroport, si vous voulez bien, Coralie. Exactement, puisqu'il y a un nouveau directeur, vous n'êtes pas sans savoir quel âge, Jérôme Nolesini. Il a remplacé Monsieur Merello. Alors, il n'a aucune expérience, il faut le dire, dans l'aviation, mais il est très motivé. Ça, c'est important. Comment vous avez pris cette décision d'EDIS, le gestionnaire de l'aéroport? Et est-ce que vous pensez est-ce que ça va pouvoir être un atout majeur dans votre politique, puisqu'on sait que l'aéroport, c'est quand même l'une des pierres angulaires de votre bilan pour les prochaines éventuelles municipales à l'agglo? Voilà. Il ne m'appartient pas de juger, Coralie, les décisions d'un prestataire et d'un délégataire. Je ne m'immisce pas dans la gestion du délégataire. Vous pouvez avoir un avis. Je demande simplement à mon délégataire d'avoir un objectif et des résultats, une politique de résultats, et qu'il engage tous les moyens pour atteindre ses objectifs. J'ai rencontré ce nouveau directeur, qui, comme vous l'avez dit, est un directeur plutôt financier. Il n'en demeure pas moins qu'à côté, il y a des commerciaux, il y a des développeurs, et que j'espère, comme je l'ai dit l'autre jour, terminer le mandat en ayant relancé cet aéroport qui est ô combien important pour l'économie, et notamment l'économie touristique. Vous avez reçu, et j'ai vu les chiffres de Gare Tourisme, et d'ailleurs la présidente de Gare Tourisme vient toujours avec moi. C'est important. Vous connaissez le ratio que je répète et que tout le monde connaît par cœur, 1 euro dans un aéroport, c'est 40 euros de retombées économiques. Mais parfois, il faut le rappeler. Et j'espère terminer le mandat avec une ligne supplémentaire vers l'Italie et l'Espagne qui viendrait pour l'Espagne, parce qu'il y a quand même une lettre d'engagement de Ryanair. Si le nouveau directeur n'arrive pas à ouvrir vers Séville ou vers Malaga, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous pouvez vous retourner contre EDIS? Il n'y a pas une lettre d'engagement en termes de destination. Selon les informations, Ryanair s'est engagé à ouvrir. Il y a un objectif en termes de passagers. À la fin de 2026, c'est 400 000 passagers. Moi, en 2024, j'ai 278 000 passagers. On est dans la norme. À savoir que Ryanair n'a vendu que 280 000 billets. Donc, il faut un taux de remplissage des avions, tenez-vous bien, de 99%. C'est tenable pour 2024? Et pourquoi ça ne serait pas... Vous revenez en janvier 2025 pour nous dire tout ça? On regarde si c'est tenable? Un taux de remplissage à 99% des avions. C'est pas le taux 99, je sais pas d'où vous le sortez, mais vous avez pas compris, je recommence. Non. Ryanair a décidé de mettre en vente 280 000 billets en 2024. Oui. L'objectif est 278 000 passagers. Oui. On est bien d'accord que du coup, pour atteindre cet objectif, le taux de remplissage par avion doit être de 99%. Alors je suis pas très bonne en maths, Mais moi j'ai un objectif à la fin de la délégation. C'est de 400 000 passagers. 400 000 passagers. En 2026. Laissez faire le délégataire, laissez-nous faire. Je vais d'ailleurs moi-même encore à Dublin voir les dirigeants de Ryanair. Il y a un déplacement avec Adrien Mangiavillano qui suit les problématiques à l'aéroport, le nouveau directeur et le développeur le 12 juin prochain pour préparer l'automne. Et je devrais aller à Dublin courant septembre
pour essayer de finaliser les deux lignes. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a fait, regardez, Porto, Dublin, Édimbourg. Il y a un problème sur 15 aéroports parce que l'aéroport d'Édimbourg est en conflit avec Ryanair, mais devrait pouvoir ouvrir. À cause des retards. Pardon ? Il y a beaucoup de retards. Oui, il n'y a pas que ça. Il y a un problème de taxation sur l'aéroport d'Édimbourg. Et qui plus est, on aurait pu éventuellement avoir ces lignes vers l'Italie et l'Espagne dès cette année. Ce n'est pas de ma faute s'il y a un problème avec Boeing, qui est le fournisseur exclusif de Ryanair. Vous avez vu le problématique des ports, des trains d'atterrissage. Et donc, Ryanair ayant moins d'avions disponibles, les commandes étant beaucoup plus longues à avoir, n'oublions pas quand même qu'on sort du... On est toujours dans le conflit géopolitique qui engendre des délais nettement plus longs sur la livraison des appareils et qui fait que malheureusement, on aurait pu annoncer quelque chose cet été. Mm-hmm. J'espère pouvoir l'annoncer à l'automne pour l'été prochain. Vous avez un nouvel opérateur qui arrive à partir du 1er juillet. Là, c'est pour les transports routiers. On change de... Sur le territoire de Nîmes Métropole et avec derrière une gratuité que vous avez annoncée pour les plus de 70 ans à partir du 1er septembre prochain. Où en sont vos réunions avec le nouveau prestataire Keolis? Et est-ce que tout est en place puisque c'est dans un peu plus d'un mois maintenant? Écoutez... La transition sur les échos que j'ai se passe plutôt bien. Je dois rencontrer la présidente générale de Keolis ces prochains jours pour affiner un petit peu la stratégie. Comme vous l'avez dit, à partir du 1er septembre, donc gratuité pour les 70 ans. Pourquoi 70? Je me suis exprimé au conseil communautaire. C'est tout simplement parce qu'à partir du moment où on a 70 ans, il y a les problèmes de santé qui commencent à venir et le transport collectif devient plus un transport subi qu'un transport choisi. Voilà, et donc on espère avec ce nouveau délégataire avoir un nouvel élan. On a eu un cahier des charges, en tout cas une réponse à ce cahier des charges qui est à la hauteur de ce qu'on attend avec une grande ambition pour les transports. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il ne peut pas y avoir de communauté d'agglomération sans un mode de transport collectif performant. Donc, on investit dans du nouveau matériel. Vous avez vu déjà ces nouvelles navettes bleues. On investit sur la durée du mandat 8 millions par an. Mon prédécesseur était à 3. C'est sur la durée 48 millions qui va renouveler la flotte en biocarburant, en électrique, avec des petites navettes. Et avec deux principales nouveautés chez Keolis. La première, c'est les amplitudes horaires, puisque du coup, il va y avoir du transport un peu plus tard. En soirée, particulièrement pour les étudiants, pour également le personnel du CHU de Nîmes. Et puis la deuxième nouveauté, c'est une nouveauté un peu pratique, puisqu'on va pouvoir payer avec son téléphone portable. Oui, ben ça c'était quand même un moindre mal de faire entrer quand même dans le 21e siècle. C'est comme le Vélib qu'on va mettre en place en 2025. Il y a quand même, on est un peu à la recherche du temps perdu hein, dans ce domaine-là. Mais néanmoins... Effectivement, vous l'avez dit, l'amplitude horaire, c'est une demande forte de la part des étudiants, notamment le jeudi soir, il y a des soirées étudiantes, le CHU qui démarre tôt, qui quitte tard. Vous savez, ce qu'attendent les gens beaucoup, c'est d'avoir un transport en commun qui correspond à leurs attentes et à leurs habitudes, notamment ou de déplacement pour aller faire leurs courses, ou de travail. C'est ça qui est important. Y compris du transport à la demande, puisque c'est l'autre également nouveauté qui va être développée. Effectivement, plutôt que de créer des lignes... Où les bus sont aux trois quarts vides, il vaut mieux parfois faire du transport à la demande, faire des conventions avec taxi. Je me souviens avec Jean Bousquet, on avait mis le taxi des sept collines, parce que c'est, il y a parfois dans certaines parties de notre agglomération, notamment dans les zones très rurales, où on va travailler également sur la mixité des transports. Je pense notamment à Saint-Géniès au nord, Générac au sud. Entre les pistes cyclables, le transport à la demande, on peut rabattre sur... les haltes ferroviaires, ce qu'on appelle les plateformes multimodales. N'oublions pas, Saint-Géniès-Feuchères, 11 minutes. Générac-Feuchères, 11 minutes. Donc, c'est assez extraordinaire quand même pour les gens. Il faut simplement rabattre vis-à-vis de ces PEM. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du CERM, mais on travaille sur le déplacement de la halte de Saint-Césaire également, qui va nous permettre de faire un mode de transport collectif entre Saint-Césaire-Feuchères et la gare de Nîmes-Pont-du-Gard. Donc voilà, il y a un travail important parce que, encore une fois, la structuration et la qualité du réseau de transport en commun, c'est ce qu'attendent les gens pour avoir une agglomération digne de ce nom. Dans quelques instants, Coralie, je vous redonne la parole. On va parler de sécurité civile, on va parler de développement économique. Mais pour l'instant, Catherine, votre question à notre invité Franck Proust. Ma question. Vous avez évoqué le CERM.
Je pense que c'est une très bonne chose, ce projet qui n'est pour l'instant qu'un projet, qui sera validé ou pas par l'État, on verra. C'est un projet coopératif, c'est un projet de coopération à l'échelle d'une aire urbaine extrêmement large, de Sète jusqu'à Nîmes-Alès, dont on parle depuis 20 ans ou 30 ans. Moi, je me souviens avoir fait des études là-dessus il y a 20 ans à peu près, avec l'ADREAL, sur cette aire urbaine et ses infrastructures. Et donc, vous y êtes associé, c'est très bien. L'agglo s'y est associé, c'est de la coopération. Ma question, c'est pourquoi ne pratiquez-vous pas le même type de coopération à l'échelle intercommunale et à l'échelle du pôle métropolitain avec Alès, puisqu'on a un pôle métropolitain Nîmes-Alès? Pourquoi on n'a pas ce même type de coopération pour avancer vers des meilleurs services publics? Je pense par exemple au conservatoire, je pense à l'école des Beaux-Arts. Nous sommes à Nîmes, quasiment la seule ville, en tout cas dans la région, à ne pas avoir de conservatoire intercommunal, d'école des Beaux-Arts intercommunale. Pourquoi cette coopération s'arrête là, lorsque finalement les autres collectivités ne vous sollicitent pas? Puisqu'en l'occurrence, c'est la région qui vous a sollicité, peut-être le département, je ne sais pas, mais enfin, les autres collectivités. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? On va laisser Franck Proust vous répondre. Alors, sur le CERM, et d'ailleurs j'ai rendu hommage à Carole Delga, le préfet de région au départ n'avait prévu qu'un seul projet métropolitain, c'était celui de Toulouse. Et elle a dit, et on avait une bilatérale, est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec Montpellier-Nîmes pour avoir une masse critique? Il y a 13 projets qui seront éligibles en France, il y a une première sélection qui a lieu en juin, et une dernière sélection qui aura lieu en décembre. C'est un projet qui ne peut fonctionner parce qu'il y a aussi beaucoup de fonds d'État. Oui. Et que l'État finance ce genre de projet. Sur le reste, c'est beaucoup plus compliqué. On travaille avec mon ami Christophe Rivin qui est à Alès, dans le pôle métropolitain, pour justement avoir des pôles d'échange. Alors, Saint-Géniès, il y a la Calmette, il y a également le Conim, hein, sur lequel... Mais oui, mais c'est quand même... Le facteur transport est quand même aussi intéressant. Et sur le reste, je partage votre vision. Il faut qu'on aille plus loin sur la recherche de l'intercommunalité. Là, le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a souhaité avoir un conservatoire à Nîmes. Je ne vais pas faire un conservatoire intercommunal alors que la ville de Nîmes va faire un conservatoire. Mais par contre, il peut y avoir des structures, notamment sur des bibliothèques. Regardez sur la cuisine centrale, par exemple. On va mener une réflexion avec les 39 maires qui composent l'agglomération pour essayer de voir si, par rapport au circuit court, avec la chambre d'agriculture, s'il ne serait pas intéressant d'avoir véritablement une cuisine centrale intercommunale. Et vous l'avez prévu pour 2028 dans votre projet, c'est ça? Oui, dans le projet de territoire. Mais la réflexion, pas tout de suite. Ça va être lors du... Ben, attendez, il faut du temps. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Moi, ce qui m'effraie le plus... Et Catherine Bernier-Boissard sera peut-être d'accord avec moi, parce qu'elle a un passif politique aussi long que moi, c'est qu'entre les premières années où on a exercé un mandat et aujourd'hui, la grande différence, c'est que quand vous preniez une décision politique à un moment donné, à T plus 3, la décision, on envoyait la concrétisation. Aujourd'hui, malheureusement... Il vous faut un deuxième mandat. Pardon? Aujourd'hui, vous faut un deuxième mandat. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que... Et c'est ce qui décourage un certain nombre d'élus, quelle que soit la couleur politique. C'est le laps de temps entre la décision politique et la concrétisation du projet. Allez Sébastien, votre question à Franck Proust. Moi j'ai une question qui concerne le tourisme, mais pas que, au niveau de l'aéroport. Oui. Je crois que notre territoire souffre justement d'infrastructures manquantes pour le tourisme, parce que chez nous, c'est vrai qu'il fait bon vivre. Le Nord aussi, il y a de très belles choses aussi à voir, et malheureusement, on sent que le tourisme, eh bien, on a eu longtemps l'industrialisation, on a eu longtemps les mines, mais on sent très bien qu'on est un peu dans le dur sur ces questions-là. Et moi, j'avais une question par rapport à l'aéroport, parce que malheureusement, toutes les semaines, on voit, enfin moi je parle pour le nord du département, des tonnes de gens qui descendent à Marseille, pas plus tard qu'il y a 15 jours, moi je suis descendu, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont d'origine sicilienne par exemple, moi je descends tout le temps prendre l'avion pour aller à Palerme, on est très nombreux là-haut, et on se dit mais pourquoi à Nîmes on n'arrive pas à avoir un Palerme, Nîmes? Non mais c'est vraiment la question, parce que je sais pas comment sont faites les études, mais vous avez il faut le dire, des communautés entières qui se sont déplacées à certaines périodes, que ce soit les Polonais, les Italiens, qui viennent tous du même endroit, on est tous cousins, et on descend tous à Marseille prendre l'avion, et c'est dommage qu'on n'arrive pas à capter ça sur l'aéroport de Nîmes. Il travaille depuis quelques années, non, je crois. Je comprends pas que justement, même Ryanair, par exemple, ils ont les chiffres, ils savent d'où on vient quand on va prendre l'avion à Marseille. Pourquoi ils sont pas facilitateurs là-dessus? Parce que même eux, ils seraient gagnants. Alors, Sébastien, vous avez complètement raison.
Le sujet, c'est qu'on ne crée pas une ligne comme ça en claquant des doigts. Nous, on a une volonté politique. Et croyez-moi, si on veut atteindre d'ailleurs les 400 000 passagers dont parlait Coralie, on a intérêt d'en créer des lignes. Mais ce qui m'intéresse aussi, alors, que les gens qui habitent le Gard aillent en Sicile, aillent passer un petit week-end à Porto, lui, à moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrants. Parce que mais ça reste du service public, Francis. C'est les entrants qui consomment sur notre territoire, chez nos hôteliers, chez nos restaurateurs, chez nos commerçants. Ça reste du service public et du service de transport que vous apportez à la population. Ça peut être un très bon complément justement pour atteindre les chiffres. Tout à fait. Et ce que je voudrais aussi, mais ça c'est compliqué parce que bon, on a une mentalité qui fait que travailler ensemble, c'est toujours beaucoup de temps et d'épuisement parfois. C'est qu'on travaille en complémentarité. C'est-à-dire que quand je vois des lignes à Marseille ou à Montpellier, qu'on ne recrée pas forcément les mêmes lignes à Nîmes. C'est-à-dire qu'on crée à Nîmes ce qui n'existe pas forcément à Montpellier, à Marseille. Comme ça, ça permet aux gens qui habitent notre territoire d'avoir un laps de choix qui soit le plus large possible. Mais j'entends la Sicile. Non, mais ça ne sera peut-être pas la Sicile, non, mais c'est l'Italie. Parce qu'on a une clientèle italienne ici qui est hyper importante. On est une ville romaine. On est à mi-chemin entre Rome et Lourdes également. Enfin, il y a tout un tas de facteurs. Et on le voit avec l'efficacité de la ligne du Portugal. Mais bien entendu. Presque 60% d'entrants. Coralie, on enchaîne, si vous voulez bien, sur les dernières questions. Et vous avez une question sur la base de sécurité civile. C'est une question d'un téléspectateur qui l'a posée tout à l'heure. Exactement. Il veut savoir où c'est qu'on en est. Puisque la saison du risque feu de forêt, malheureusement, va s'ouvrir. Où est-ce que vous en êtes de ce hub européen ? Ben, j'en suis. Le travail est toujours en train de se mener. On va inaugurer le B46. Là, ça fait des mois qu'on en entend parler. Mais oui, non, mais attendez, il faut terminer. Les entreprises arrivent à l'automne prochain. On est en train de travailler avec l'État français, parce qu'à un moment donné, le hub européen, comme je l'ai toujours dit, nous, on est un peu facilitateur à un moment donné, mais c'est l'État français avec la Commission européenne qui doit décider si oui ou non la filière industrielle. Il y a un rapport d'ailleurs d'une sénatrice qui vient de sortir, qui incite la France et l'Europe à avoir sa propre filière pour se substituer à la fabrication des Canadair, puisque je rappelle que Canadair n'a pas fabriqué d'avions depuis 2014, et qu'aujourd'hui, quand on parle réindustrialisation, il serait quand même intéressant de rapatrier l'outil industriel financé par des fonds européens et français sur le territoire européen, qui plus est en France, qui plus est à Nîmes. Donc le hub européen, il existe déjà, Coralie, puisque 7 pays travaillent en termes d'innovation, en termes de recherche. On est en train, j'étais en discussion à Paris il y a maintenant 3 semaines, sur une société qui pourrait venir à implanter, vous savez, on parle beaucoup des avions taxis en ce moment. Il y a toute une industrie qui peut venir s'implanter, et nous, notre chance unique que nous avons, c'est que depuis la fin de l'année dernière, nous sommes maîtres du foncier. Et surtout avec un droit à construire de près de 60 000 m² bord de piste, c'est-à-dire l'équivalent de 12 hangars. Donc on peut répondre à une demande. Mais cette demande, et c'est pour ça qu'on travaille avec Gérald Darmanin, avec Bruno Le Maire, avec bien sûr la Commission européenne telle qu'elle est là, même si elle va changer, parce que c'est à l'échelle de la nation et de l'Europe qu'après les décisions en termes d'industrie vont se réaliser. Mais en tout cas, en termes d'innovation, de recherche, de formation, ça se passe déjà à Nîmes, et il y a 7 pays qui travaillent ensemble. Allez, très vite, Coralie, s'il vous plaît, sur Mania Porta. Exactement, transition toute faite avec le développement économique. Vous avez confié la prospection d'entreprises au groupe NGE. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez déjà eu des premiers noms d'entreprises ? Oui, je les ai. Sur quelle thématique et combien ? Alors, le problème que j'ai, je vais vous le dire, mais je vais répondre à votre question précisément. C'est qu'aujourd'hui, j'ai lu les lettres d'intention. D'accord. À peu près 3200 emplois, domaine logistique industriel, médical, un siège social, du service, quasiment les 4 lots sont pleins. Il y a un seul problème. Vous ne voulez pas du développement logistique, parce que ça consomme beaucoup de foncier. Je parle d'assemblage industriel. D'accord. C'est le problème que j'ai, c'est de pouvoir donner aux entreprises des délais d'implantation. Je m'explique. Aujourd'hui, vous savez qu'on est en phase de révision du PLU, parce que malheureusement, on avait pris beaucoup de retard. Donc, le PLU, en adéquation avec le SCOT, on travaille sur le PLU de Manduel et le PLU de Redescent. On va rappeler que c'est le plan local d'urbanisme. Donc,
quand vous êtes en Espagne ou en Italie, à partir du moment où l'entreprise signe, 18 mois après, elle est opérationnelle. Chez moi aujourd'hui, qu'est-ce que me demandent ces entreprises? Ils veulent savoir quand est-ce qu'ils pourront être opérationnels. Aujourd'hui, mais je suis toujours très prudent, parce qu'il y a des lourdeurs administratives. On me dit, pose de première pierre, fin 2025, début, en termes d'être opérationnel, 2027. Et donc, pour les entreprises, ce qu'ont besoin aujourd'hui les entreprises, c'est de la réactivité. Oui. Le problème, c'est qu'en France, la lourdeur fait que, eh bien, entre la décision, et ce que je disais tout à l'heure, la décision d'implantation, les entreprises sont là, j'ai vu les lettres d'intention, et la concrétisation du projet, il y a 3-4 ans. Et 3-4 ans, aujourd'hui, c'est trop long. Donc, 3-4 je me bats pour réduire les délais. D'accord, 3-4 ans pour vous, pour que tout soit en accord, alors les documents administratifs, et qu'elles puissent venir s'implanter. Et la compensation, parce que vous savez, et la compensation. Je dois trouver 200 hectares de compensation. Vous, c'est 3 ans, d'accord. Attendez, c'est pas simple. Et eux, ils veulent 18 mois. Enfin, eux, ils non, ils veulent 18 mois. Ils veulent au moins avoir une vision. Aujourd'hui, tant que je ne suis pas sur une phase de révision, il y a une phase de révision, je travaille avec le maire de Manduel, avec le maire de Redescent, on essaye que tout ça marche de manière parallèle, de manière à gagner du temps. Chaque trimestre de gagner est un trimestre d'opportunités économiques. Mais je ne lâcherai rien. Vous avez la base Ogvia, la base de Magna Porta. Mm-hmm. Je veux, avant la fin du mandat, qu'il y ait des engagements pris de la part des entreprises. Allez, Catherine, vous vouliez faire une remarque très rapide, s'il vous plaît. Très rapide, je dirais simplement que j'ai du mal à comprendre votre discours parce que Magna Porta, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, à peu près, une dizaine d'années qu'on en parle. Et vous venez de parler de l'aéroport, de l'implantation d'entreprises industrielles qui fabriqueraient, pas du Canadair, parce que pour l'instant, il y a peut-être Bombardier un rapport d'eau, madame. Au CEDA. Canadair, c'est une marque. Oui, Canadair, c'est une marque. Mais pour l'instant, ça se fait au Canada et la Commission européenne... Non, ça ne se fait plus au Canada. Depuis 2014, il n'y a aucun avion qui est sorti. Tout cas, la Commission européenne, c'est elle qui décide effectivement de ce qui est fait dans chaque pays européen. Et pour l'instant, la France n'a pas grand-chose. Et donc, on peut... Et vous savez à qui vous savez à qui à l'entreprise qui vient s'installer, non, qui s'appelle Conair. Peu importe, mais en ce qui concerne Magna Porta et les entreprises, j'ai lu encore effectivement récemment que vous aviez des projets pour 3000 emplois. D'ailleurs, chaque fois, 3000. Chaque 3000 fois que vous présentez un projet d'aménagement de ZAC, vous dites 3000 emplois. C'est un peu la formule magique. J'ai l'engagement des entreprises avec le nombre de salariés. Okay, parce total, que c'est un critère discriminant pour pourquoi moi, madame. Vous ne le dites pas. Et comment expliquez-vous que d'autres collectivités parviennent à attirer des entreprises, à créer des emplois, je pense à Montpellier, je pense à Arles, à Avignon. Citez-moi ils ont les mêmes problèmes que vous. À Montpellier, qu'est-ce qu'il y a eu? Les collectivités ont les mêmes problèmes quoi, madame, que vous. À Montpellier, il y a eu quoi? Citez-moi une entreprise qui est venue s'implanter. Je prends en tête. Mais non, mais vous n'en aurez pas. Mais parce si. Que, mais non, mais parce qu'il n'y a plus de foncier. Mais donc si. Y a plus, et c'est plus possible de si, s'implanter à Montpellier. Mais je peux vous dire, je m'entends très bien avec Mickaël Delafosse, vous le savez, on en parle souvent. Mais vous êtes un peu sévère avec nous. Soprema, c'est quoi? PAC Solutions, c'est quoi? On a créé en 2 ans plus de 1000 emplois nets. Ah, c'est pas 3000 déjà. Pardon? Non, c'est mais pas 3000. Non, mais de créer. Mais par contre, là, sur Magna Porta, j'ai 4 lettres d'engagement, c'est 3200 emplois. Mais oui, mais si je vous le dis. Mais c'est vrai qu'il y a eu un problème d'anticipation. Et vous savez, vous me connaissez un peu. Je ne suis pas un adepte de la communication quand je n'ai pas signé. Pourquoi je ne communique pas? C'est que tant que l'affaire n'est pas signée, j'en parle pas. Allez, on arrive au bout de cette interview. Catherine, s'il vous plaît. On arrive au bout. Ici, Catherine, on Catherine, s'il vous plaît, on aura l'occasion d'en débattre. Les municipales, c'est très bientôt. Ah ben, Catherine, ne vous inquiétez pas, mais c'est exactement. Coralie, c'est la transition parfaite. Moi, j'avais une question pour Franck Proust que je voulais lui poser ce soir. Le maire Jean-Paul Fournier parle bien évidemment, s'interroge sur sa succession pour 2026. Il a dit à plusieurs reprises que pour l'instant, il ne connaissait qu'un seul candidat à sa succession, c'est Julien Plantier, son premier adjoint. La question qu'on a envie de vous poser ce soir, c'est Franck Proust, est-ce que vous êtes candidat simplement déjà à la succession de Jean-Paul Fournier? Vous avez bien compris, je ne vous ai pas dit candidat à la mairie de Nîmes en 2026. À chaque fois que je vais sur ce plateau, vous me posez la question. Et à la limite, vous il y en a d'autres à qui on ne la pose pas, vous devriez être flatté. Oui, oui. Merci du compliment. C'est vrai. Vous voudriez qu'on écrive, je comprends que c'est important, c'est intéressant pour vous d'écrire une histoire. Mais vous voudriez qu'on écrive ensemble un épilogue alors que le premier chapitre n'a pas commencé. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Les élections municipales, c'est mars 2026. Nous sommes en mai 2024. La seule information que j'ai aujourd'hui, que je n'avais pas la dernière fois que je suis venu sur le plateau, il y en a une, elle est majeure, c'est que le maire
a officiellement dit « Je ne serai pas candidat à un cinquième mandat ». Donc, de toute façon, tant qu'il n'avait pas annoncé cette décision, je ne me voyais pas commencer l'espace d'une réflexion. Il aurait été candidat, je n'aurais pas été candidat. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de travailler. Madame Boissard me reproche de ne pas aller trop vite. Quand j'entends certains experts de la politique locale, j'ai même pas commencé à ouvrir la bouche, qu'on me dit que je suis trop ringard, trop à droite. Ça me rappelle quand ses aïeuls disaient que Jean-Paul Fournier ne serait jamais maire parce qu'il était RPR. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de continuer à travailler et surtout de respecter le programme pour lequel nous avons été élus. Chaque chose en son temps. Je me prononcerai, parce que la réflexion, je vais commencer à la mener, effectivement, et je me prononcerai début 2025, premier semestre 2025, un an avant, ça suffit largement. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ça intéresse le Nîmes hein, de savoir si Franck Proust est candidat ou pas? Ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, comme a dit c'est Coralie, est-ce que ma tome va baisser? Est-ce que mes bus vont être performants? Est-ce que vous savez, les Nîmois, ils ne sont pas monocentrés, ils peuvent penser à plein de choses, ils peuvent penser à leurs impôts, ils peuvent aussi penser politique et savoir qui va succéder à Jean-Paul Fournier. C'est 2026, Coralie, qu'est-ce... Ben, non mais parce qu'à alors, chaque fois, si on le pose dans l'autre sens, est-ce que, là je vous pose une question très politique, est-ce que le fait de ne pas avancer un pion pour la succession de Jean-Paul Fournier, vous ne prenez pas le risque de laisser Julien Planchet, le premier adjoint, imaginez que c'est lui le successeur naturel. Mais attendez, est-ce que vous croyez réellement que c'est parce qu'on dit qu'on est candidat qu'on avance un pion? Je vous pose la question, Abdel. Moi, écoutez, pour l'instant, encore une fois, je me focalise, et comme j'ai toujours fait depuis que je suis élu, en tout cas j'essaye de faire au mieux, moi je suis dans la culture du bilan, la culture du résultat. L'annonce d'une candidature... pour moi, c'est pas quelque chose d'essentiel. Et en tout cas, ça n'a pas de sens. Même si on vous en parle. Non, mais, pendant la férience, on en a parlé beaucoup. Alors, attendez, c'est pas parce que je me prononce pas que j'entends pas. Vous me connaissez. Coralie dit à chaque fois que je suis sur le territoire, on me dit mais t'es en campagne. Donc, je suis sur le terrain. J'entends ce qu'on me dit. Je suis pas sourd. Donc, je suis pas aveugle non plus. Mais c'est une décision tellement importante. Vous savez, être maire de Nîmes, c'est une décision d'abord que je prendrai avec les êtres qui me sont chers, mais mes collègues aussi élus. C'est quelle vision, pourquoi faire, avec quelle équipe, quel programme. Enfin, être candidat pour un candidat, ça n'apporte rien. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas aussi être naïf. C'est vrai qu'il y a le 1er juillet, votre procès dans l'affaire de la CENI est renvoyé devant Montpellier. Mmh. Donc, l'issue de ce renvoi, forcément, ça va sceller votre destin politique aussi. C'est vous qui le dites. Vous savez, ce combat, c'est un de mes plus beaux combats. Non, mais là, ce n'est pas une appréciation politique, c'est juste un fait. Non, mais vous en avez parlé. Permettez, je vais en dire deux mots. Vous savez que c'est une affaire qui me touche, plus de 20 ans. On l'a rappelé. C'est un combat... pour ma famille et pour moi, sur mon éthique. J'aime le combat politique, Catherine Bernier-Boissard le sait, la confrontation d'idées, tout ça. Quand je suis attaqué sur mon éthique, sur la probité, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas et je me battrai, mais jusqu'au bout. Ce qui est compliqué. Parce que n'oubliez pas quand même que sur cette affaire, j'ai été déjà innocenté des trois quarts et que la cassation a cassé la décision. Donc, je vais aller... le 1er juillet, avec la même combativité, la même sérénité, pour aller chercher mon innocence et plaider mon innocence. Mais parce que encore une fois, quand je rajeunis de 20 ans, je ne comprends pas pourquoi j'en suis là. Ce qui est compliqué et qui rajoute aussi beaucoup d'incertitudes, il faut se le dire, il y a eu donc, le procès, l'affaire a duré très longtemps, ça a commencé à être devant les juges. J'ai vécu avec ça. Toute ma vie politique. Alors, au départ, vous avez été relaxé, puis ça a fait appel. Enfin, c'est pas relaxé, pardon. C'était non-lieu. Après, il y a eu un appel. Vous avez été condamné à 5 ans d'inéligibilité. Puis vous êtes allé en cours de cassation. Et puis, hop là, on l'a remis à Montpellier. C'est vrai que toutes ces décisions cassées et renvoyées devant Montpellier. C'est vrai que toutes ces vicissitudes sur un spectre plus limité. Elles vous empêchent en fait d'asseoir véritablement vos ambitions municipales. C'est compliqué. Non. C'est cette épée de Damoclès. Pour aller dans le sens de Coralie, est-ce que les deux sont déconnectés?
Ou est-ce qu'il y a quand même un peu un lien, comme le dit Coralie, ou est-ce que vous avez déconnecté, c'est-à-dire que même si vous êtes innocenté définitivement après le mois de juillet, il est probable, il est possible que vous ne soyez pas candidat à la succession de Jean-Paul Frondet. Mais tout est possible. Je vous dis que j'engage une réflexion. Sinon, je vous dirais ce soir, je suis candidat. Mais ça annonce... Votre décision n'est pas prise. Non. Mais elle est, je veux dire, elle est un, je commence à y réfléchir. Vous le savez comme moi, Abdel. Parce que vous avez été beaucoup de gens sollicité m'en parlent, beaucoup de gens me poussent, beaucoup de gens me disent, il faut y aller. Mais permettez-moi aujourd'hui de continuer à travailler. Pardon. Il faut avoir envie, hein, parce qu'on sait. Vous pouvez pas nous dire, et Jean-Paul Fournier, dès qu'il a perdu, dès que vous avez perdu et que la gauche l'a emporté, de suite, il a dit qu'il allait être candidat au municipal. Mais le contexte est différent. Vous pouvez pas dire, vous, bon, je réfléchis, et puis peut-être que un an avant, je me déciderai pour être maire. Je ne vous dis pas. Non, mais je vous dis pas. Vous ressentez pas d'envie? Je sais pas. Vous dites que vous savez pas, peut-être, oui, non. Je vous ai dit que vous allez planter des carottes à Magna Porta. Non. Je sais pas. Il y a le problème de lapin. Mais le devoir. Coralie, le devoir, l'envie et les circonstances. Allez. Et je dis que ce n'est pas une décision qui se prend comme ça, en claquant des doigts. Et en tout cas, chronologiquement, elle n'a pas de sens de l'annoncer plus d'un an à l'avance. Bon, Nicolas Nadal dit en tout cas, puisqu'il suit l'émission, quel suspense. Allez, Sébastien Miquelian, petit mot, rapidement, s'il vous plaît, parce que là, on a tout dépassé. Une petite analyse avec un œil extérieur. Moi, je trouve que, je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau que fait... le maire Jean-Paul Fournier, en disant que son successeur naturel, si j'ai bien compris, serait Julien Planchier, parce que c'est très tôt de le dire. Et il n'a pas dit ça, qu'il a dit. Non, mais, il n'a pas dit ça. Mais, il a dit que pour l'instant, il ne connaissait qu'un seul candidat, voilà. C'était Julien Planchier. C'est voilà. Pas très bon de dire ça, à mon avis, parce que normalement, ça se fait naturel, en plus, il est premier adjoint. Donc normalement, si tout était bien huilé, il n'aurait pas besoin de l'annoncer. Ça serait fait. Le fait de l'annoncer, déjà... c'est un petit peu un aveu de faiblesse. Je crois pas que c'est très bien pour Julien Planchier. Après, honnêtement, je connais très peu Franck Proust, mais c'est quand même quelqu'un qui a quand même, on peut pas y enlever ça, de l'expérience. Moi, je suis quand même très pragmatique. C'est le prochain directeur de campagne. Non. Pas directeur... Il nous a fait le même coup avec Christophe Rivenc. Non, pas directeur de campagne, mais il faut dire la vérité. Pourtant, je suis de sensibilité de gauche, mais je dis les choses quand même. Mais s'entend bien avec François Fondé, Monsieur Proust. Il a été président quand même. De pas la moindre des commissions. Et je crois que c'est ce qu'on manque un peu sur le territoire. Moi, j'entends, on en vend plein des petits champions de partout. Mais après, il faut savoir quand même ce qu'on fait les gens. Parce que c'est pas le tout d'être conseiller départemental, d'être représentant d'un parti politique. Gérer une ville comme Nîmes, quand même, qui est la préfecture, il faut avoir quand même une certaine expérience, avoir du réseau. Pas avoir du réseau que dans son parti. Et il y a très peu d'hommes aujourd'hui sur le territoire qui peuvent le faire. Non, je ne dis pas que le meilleur candidat, c'est M. Proust. Allez, j'ai l'avantage, en plus, d'avoir été 6 mois maire par intérim. Et je pense que l'expérience n'avait pas été si mauvaise que ça. Bon, il ne nous dit pas tout, mais il nous en dit un peu quand même ce soir. Catherine. Moi, je dirais surtout, pour devenir maire, il faut un projet. Il l'a dit tout à l'heure. Et vous l'avez dit. Pour une fois. En tout cas, votre projet, on ne l'entend pas. Je vais pas vous dire. Mais attendez, il n'a pas fini. Que ce soit Julien Plantier, pourquoi pas? Parce que ça sera une continuité si c'est vous. Ah ben oui, que ce soit Julien Plantier, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre dans l'équipe de Jean-Paul Fournier, j'imagine que le projet sera peu différent. Pour pas dire assez semblable. Chacun a ses. Et puis vous savez, c'est un travail collectif. Je crois que ce qui va intéresser les Nîmois, c'est effectivement d'avoir des projets. Et ensuite de pouvoir Catherine, il va falloir que je paye des élections. Que je sois candidat. Réalisateur. On va s'arrêter là. Vous savez, que je sois candidat ou pas, je contribuerai au projet. Parce que des idées, il y en a. Mais franchement, allez-vous dire le projet 2026, et vous savez que c'est un mandat de 7 ans le prochain mandat en plus. Parce qu'ils vont le faire coïncider avec les présidentielles. Faut pas le rater. Donc 2026, si vous rajoutez 7, jusqu'en 2033, vous imaginez. Mais. Si ça vous intéresse, je vous ferai part. Allez, un tout dernier mot, s'il vous plaît, Monsieur Proust, puisqu'on a un téléspectateur qui demande si vous avez des nouvelles de Rani Assaf et du projet de stade. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir, coup, il y a une question là-dessus. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit mot pour le téléspectateur qui regarde l'émission? Je suis d'ailleurs surpris que vous ne m'ayez pas posé la question avant. Le projet du stade, comme le projet du Nîmes Olympique, c'est un projet ville de Nîmes. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je dialogue avec toutes les parties. Et donc, si un jour
Et j'ai lu comme vous que Rani Assaf envisageait aujourd'hui plutôt de construire une équipe pour remonter en Ligue 2, mais n'était plus forcément vendeur. Mais si un jour, et si le maire me demande, je peux être un facilitateur, alors je me mettrai à la disposition parce que j'ai réussi à garder le contact. Et je pense que dans cette affaire, à un moment donné, le jour, si Rani Assaf est vendeur, il faudra autour de la table un repreneur, Rani Assaf et le maire de Nîmes. Et je pense que dans ce domaine-là, je peux peut-être apporter ma pierre à l'édifice, mais encore une fois, si le maire me le demande, parce que c'est quand même un dossier ville de Nîmes avant tout. Merci Franck Proust d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir été là ce soir.